Ouais, c'est vraiment ça, d'amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça super. Et aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo avec une nouvelle série que je lance sur ma chaîne YouTube. Donc, cette série, je sais pas encore comment elle va s'appeler, mais j'ai quelques noms en tête. Donc, je pense que ça va être pas cher et utile. Donc, dans cette série, je vais vous montrer des objets qui coûtent pas cher et qui sont vraiment utiles, qui peuvent sauver la vie ou qui peuvent vraiment être intéressants pour des prix très bas. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet qui va servir beaucoup pour les gens qui font du Uber Eats ou qui roulent en vélo. Je vais vous montrer tout de suite le produit. Donc, le produit, il est là, comme vous pouvez l'apercevoir. Donc, il y a écrit bike, smartphone, holder. Donc, comme ça, je vais vous montrer un peu plus de près. Donc, je pense que vous l'avez compris, c'est un objet qui sert à mettre son smartphone sur son guidon, à le fixer quoi. Et donc, si vous faites du Uber Eats, c'est vraiment, vraiment pratique parce que on peut tout simplement le fixer sur son guidon. Et donc, quand vous faites des courses ou quand vous faites du Uber Eats, voilà, vous avez tout simplement la map devant vos yeux ou que, voilà, pour toute autre chose. Mais ce serait plus pratique pour ceux-là qui font du Uber Eats. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer un peu la boîte, à quoi ça ressemble. En parlant du prix, il coûte seulement 2 euros. Donc, c'est pour ça que je présente ce produit, parce que pour 2 euros seulement, voilà. Comme ça, je l'ouvre. Donc là, il y a un petit sachet. Et donc là, dedans, à première vue, on a tout ce qui va nous servir de fixation pour le guidon. Et donc là, on a, on va dire ça, une espèce de pochette. On va pouvoir mettre notre téléphone pour par après le mettre sur ce petit adaptateur et le fixer sur notre vélo ou sur notre guidon, sur toute autre chose. Donc, j'ai déjà essayé. Donc, la pochette, vous pouvez largement mettre un iPhone 11, un iPhone Pro Max 11. Donc, voilà, je sais pas comment vous dites. Donc, la taille de la housse. Donc, la taille de la pochette, c'est environ un iPhone 11 Pro, genre épais et grand. Et donc, si vous avez un Samsung, tous les Samsung rentreront dedans comme ils sont fins. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais comme je dis, si vous avez un iPhone, voilà quoi, ça va être un peu serré dedans. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Voilà, il y a des petites languettes ici, comme vous pouvez apercevoir. Donc là, on les ouvre. Et donc, on va ouvrir à l'intérieur. Donc, ça, il faut les mettre comme ça. On ouvre comme ceci. Et donc là, on peut mettre notre téléphone dedans. Donc voilà. Pour vous dire, il y a ma main qui rentre. Donc ça fait la taille de ma main, même un peu plus. Donc comme quoi, vous pouvez rentrer un iPhone 11, 11 Max. Donc vous pouvez rentrer un iPhone 11 Pro. Voilà, tranquille, il n'y a pas de problème. Et ça, donc, ce produit-là, comme ça, je vous montre. On fait comme ça. Non, pardon, on dévisse de là. Et donc, après, on va pouvoir le mettre sur notre guidon. Comme ceci, je le dévisse. Donc là, je l'ai dévissé. Et donc là, comme vous pouvez apercevoir, il y a trois niveaux. Donc ça, je vais le mettre au maximum. Et je vais venir de nouveau le visser. Et donc là, il est prêt pour le mettre sur un guidon. Donc comme ceci. Donc voilà, on peut mettre assez un guidon assez gros. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis bah avec ce petit bout là, de ce que je pense, on fait ça. Et derrière, bah, on a une petite comme dans les GoPro quoi, on a un petit slot comme ça et on le glisse comme ceci. Je vous le montre. On le glisse par là. On le glisse par là comme ceci. Et donc, on entend un petit clac. Et c'est bon. Donc là, on peut mettre sur notre guidon et le phone restera comme ça. Donc voilà. Perso, c'est vraiment un produit très très bien. Moi, je sens que je vais l'utiliser. Si vous voulez que je fasse une vidéo avec la GoPro et bah, que je roule avec le vélo pour vous tester de plus, pour faire un test un peu plus approfondi. N'hésitez pas à me poser, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et avec les likes.
Sur ce, voilà, avec un produit à 2 euros, j'ai montré ce qu'on pouvait faire. Donc, voilà. Donc, si vous voulez acheter aussi le même, donc moi je l'ai acheté de Action et j'essaierai de mettre des liens. J'essaierai de mettre des liens en description de AliExpress ou de Amazon de ce style là. Donc voilà, pour 2 euros, c'est vraiment une bonne affaire. Je vous le conseille. Sur ce, c'était tout pour cette série. Donc, si vous voulez que cette série continue, plutôt cette vidéo, et si une autre vidéo sort, donc voilà, si vous voulez que ça se transforme en série cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les pouces bleus. Donc si vous voyez environ j'ai 100 pouces bleus, la série continuera. Et voilà, dans les commentaires aussi vous pouvez me le faire savoir. Sur ce, n'hésitez pas à passer une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez la vidéo le soir ou le matin ou pendant l'après-midi. Bref, sur ce, c'était RDM, peace.